3, 2, 1. Est-ce que vous êtes prêts pour le feu d'artifice? C'est parti. Yo mes gros, c'est Kenny, j'espère que vous avez bien mangé, en tout cas moi j'ai très très bien mangé aujourd'hui mes gros, nouvelle vidéo sur Fortnite créatif et c'est pas n'importe quelle vidéo les gars, et c'est pas n'importe quel jour tout simplement parce que quand je vous dis que j'ai bien mangé, j'ai très 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 bien mangé les gars, ça y est, c'est officiel, les robots, les mechas, les brutes, les appelez-le comme vous voulez, même les gros chiens, appelez-les comme vous voulez, vont disparaître sur Fortnite. Maintenant quand ils apparaissent en jeu les gars, ils tombent du ciel, ils explosent instantanément, on peut plus monter dessus, on peut plus monter dedans, on peut plus faire de kill avec, on peut plus se dépasser avec, on peut plus farmer avec, c'est officiel. Les brutes, les mechas, les robots, les gros fils de pute ne sont plus dans Fortnite. C'était une très très grosse erreur de la part d'Epic Games d'avoir fait ça. C'est pas grave, le plus important c'est que c'est du passé. Et comment j'ai appris les gars que les robots n'étaient plus sur Fortnite, je ne l'ai pas appris via Fortnite, je ne l'ai pas appris via Twitter ou les réseaux ou autre. Je l'ai appris grâce au poteau Thomas, il a une chaîne de 830 000 abonnés les gars. Il fait des vidéos informations sur Fortnite, il nous informe de ouf sur tout ce qui est les skins, les packs, les events, les actus, les ci, les ça, les nouvelles saisons et tout. Donc sa chaîne est en description. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller bombarder les abonnements. C'est grâce à lui que j'ai appris ça. Et aujourd'hui, les gars, pour se venger d'Epic Games, pour se venger des robots, pour se venger des gros bambis qui jouent depuis 3 jours et qui ont rasé des squads de pro players avec le mecha, nous allons faire un feu d'artifice et nous allons faire péter 1000 robots, les gars. J'ai en créatif préparé un petit mécanisme, une petite map pour exploser les robots. Donc nous allons faire ça ensemble. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Un maximum de likes, d'abonnements, de code créateur Kenny, K-E-N-I, 4 lettres comme le nom de la chaîne. Les réseaux sociaux en description, le Discord en description. J'espère que cette vidéo va vous plaire, qu'elle va être satisfaisante, qu'elle va être joyeuse. J'espère que vous êtes actuellement devant votre écran en train de manger un truc parce que ça va être kiffant. Alors, nous allons monter. Et j'ai installé 30 mechas. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 x 6, 30. Bien joué les gars, vous avez suivi vos tables de multiplication. C'est le plus important, travaillez bien l'école. Alors, je vous explique ce qui va se passer là tout simplement. C'est qu'on a sorti le minigun. Avec le minigun, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur enlever de la vie à ces chiens. Et déjà ça c'est bien satisfaisant. Déjà de faire ça, de le voir là, tirer la gueule, de le voir en fumée là. Ce chien de méca de merde, de brute, de... Bref, on va tous les foutre l'OHP comme ça. On les nique bien après. Vous allez voir les gars, ça va être kiffant. Il faut leur mettre un... Il faut les mettre à moins de 200 PV. Donc on va les mettre tous à moins de 200 PV. Hop. Hop. Ah, il y a le... Bah oui, il y a le minigun qui chauffe, hein, bien entendu les gars. Dites-moi les gars, en commentaire mes petits gros, des petites expériences qu'on pourrait faire en vidéo. Là c'est comme une petite expérience, hein. Voyez ça comme une petite expérience les gars. C'est un truc qu'on fait pas tous les jours, c'est un truc qu'on n'a pas forcément en tête. Mais voilà, on peut considérer ça comme une petite expérience. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me donner vos petites idées. Là c'est vraiment pour se venger des mechas hein, les gars, ils nous ont pourri la vie. Ils nous ont pourri la vie pendant longtemps, longtemps, longtemps. Que là il faut tous les faire péter. Donc je vais les faire descendre à moins de 200 de vie, comme ça quand on les fait péter c'est bon. Hop, ok voilà. Et dès que je les ai tous fait descendre à 200 points de vie, je reviens vers vous. Voilà les gars, nous avons détruit
tous les mechas, enfin pratiquement détruit tous les mechas. Ils sont tous à moins de 200 PV, regardez les gars, 95, 116, 116, 137, etc. Là, ils sont tous en train de tirer la gueule, ils sont tous en feu, à deux doigts d'exploser. Et quoi de mieux que de monter dans un mecha pour le faire s'autodétruire, pour le faire se suicider, ce chien de la casse, cet enculé de mecha de merde, de mes deux, de... Non, je rigole, la vidéo, elle va pas être monétisée, ouais, je vais parler chinois. Bref, les gars, ce qui va se passer, c'est que je vais rentrer dedans, on va tirer des dernières roquettes dans le ciel. Ouais, pour la destruction des mechas. Ouais, ouhou, ouhou. Ok. 3, 2, 1, est-ce que vous êtes prêts pour le feu d'artifice? C'est parti. On détruit 1000 mechas les gars aujourd'hui. Allez, destruction de 1000 mechas. Destruction de 1000 mechas. Allez, c'est parti, on détruit 1000 mechas. De chien, vous m'avez fait tant souffrir, vous m'avez fait tant souffrir, hein, dans la vraie vie, quand vous me dites gros porc, moi je peux venir IRL et je peux vous voler vos goûters, mais sur Fortnite je peux rien faire, vous m'avez fait souffrir, bande de chiens, crevez tous, bande de chiens. Ah les gars, quelle satisfaction. Dites-moi les gars vraiment en commentaire si ça vous fait pas super plaisir de voir tout ça. De voir ces mechas, ces pauvres petits mechas apparaître et disparaître en illimité. C'est comme en enfer les gars, c'est comme en enfer. Si par exemple, tu tues quelqu'un, en enfer tu vas reproduire cette action là à chaque fois les gars. C'est comme en enfer les gars. Ils nous ont fait souffrir, et bah là ils se suicident, ils s'autodétruisent. En illimité. Oui, je suis fou. Oui, je suis schizophrène. Oui, je suis sociopathe. Oui, je suis tout ce que vous voulez, les gars. Oui, oui, je suis un meurtrier. Oui, mais ça fait du bien. On va relancer la partie et on va faire un dernier feu d'artifice final, mais gros, un dernier feu d'artifice final. En espérant que cette vidéo vous plaise, donnez-moi vos idées d'expérience en commentaire. Oh, c'est quoi de ce bruit ? Nous allons mettre le volume au maximum. Et nous allons tous les détruire définitivement, les gars. Pour la fin des mechas, des brutes sur Fortnite. Ah, par contre, Epic Games, si vous sortez une mage, et que dans la mage, vous me dites... ouais, le retour des brutes sur la vie de mon ventre, que je fais des vidéos Dofus et que j'arrête les vidéos Fortnite. Oh gros, c'est pas possible. Bon bref, est-ce que vous êtes ready les gars? Nous allons détruire
tous les mechas, définitivement. Et ça ne sera qu'une histoire de passé. Ça sera que du passé, les gars. Ok ? Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes ready, les gars ? C'est cette balle-là qui va tout résoudre. J'ai mis le son au maximum. Ça va nous exterminer les oreilles, mais c'est pas grave. C'est pour la bonne cause. Voilà mes gros, j'espère que cette petite vidéo expérience, satisfaction, anti-mecha, fuck les mechas, vous aura plu. Un maximum de likes, d'abonnements, de code créateur Kenny KNY, 4 lettres comme le nom de la chaîne, dans la boutique Fortnite. Mangez-moi cette boutique, tuez-moi la boutique, achetez plus de skins que de mechas. On fait des kills les gars dans la boutique Fortnite, les réseaux sociaux en description, le Discord en description. Je compte sur vous, je fais des gros bisous, je vous dis bon appétit, à demain soir pour une nouvelle vidéo, c'était Kenny pour une expérience. Ciao.